Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, vous allez voir un tour de cartes vraiment très sympa et très facile à réaliser. Comme d'habitude, pour ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Et donc, on passe tout de suite à la démo. Allez, on se retrouve pour la démo de ce tour, et pour ce faire, je prépare au préalable les deux As, l'As de cœur, l'As de carreau, les deux As rouges. Et là, on va prendre un jeu de cartes, et en fait, ce qu'on va faire, on va tout simplement placer, je vous les montre vraiment, je vais placer les deux As face en bas, voilà, quelque part, comme ceci, ensemble. Donc je vous montre vraiment, on se retrouve bien avec nos deux As juste ici. Et par la suite, normalement j'ai besoin d'un spectateur, vu que j'en ai pas, je vais faire le rôle du spectateur. Mais voilà, je demande à un spectateur normalement de choisir un chiffre entre 10 et 20, vraiment le chiffre de son choix. Imaginons qu'il choisisse le chiffre 14, peu importe. Hein. Là, vous lui tendez le jeu et vous lui demandez de distribuer le chiffre donc, qu'il a choisi, donc 14 cartes. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. De là, il récupère ce paquet, il peut mélanger les cartes, vraiment. Et à partir de là, vous lui expliquez que le chiffre 14 se compose du 1 et du 4 et que si on additionne les deux, ça fait 5. 1 plus 4, ça fait 5. Donc il prend le paquet de cartes qu'il a en main et il compte 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et la cinquième, il en prend connaissance. Ici, ça sera sa carte, la carte choisie, qui est la dame de pique. Il la replace, il la repère comme ceci, il remet ça par-dessus. Et là, on est bien d'accord que pour vous, le dos tourné, vous n'êtes pas capable de connaître la carte qu'aura choisi le spectateur. Mais ce n'est pas grave car, comme je vous le disais, au départ, vous avez positionné vos deux As. Et c'est les deux As qui vont retrouver la carte du spectateur. Comment? Très simplement. Vous allez prendre les cartes comme ceci et les distribuer comme ceci. Et vous allez voir, au bout d'un certain moment, les As vont se rapprocher dans le jeu. Comme ceci. Et en claquant des doigts, si on regarde maintenant au centre, on peut voir qu'entre les deux As, on se retrouve avec une carte face en bas, une carte cachée. Et si on regarde, logiquement, ça sera la carte du spectateur, la dame de pique, la carte qu'il a choisie. Et voilà, j'espère que cette petite démo vous aura plu et vous aura peut-être donné envie de vouloir comprendre la méthode de ce tour. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous rendre dans la description pour cliquer sur le lien pour avoir accès directement à la vidéo explicative. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Également, mon école de magie www.magistreaming.fr pour apprendre les bases de la magie des cartes et de la magie des pièces. Le tout accompagné de tours expliqués. L'ensemble est 100% gratuit sans aucune inscription. Vous avez également accès à la plateforme de VOD pour ceux qui voudraient avoir des tours plus élaborés, en passant par la création de gimmicks et bien plus encore. Et pour ceux voulant aller encore plus loin et désirant me soutenir, vous avez la possibilité de souscrire à Tuto Magie Premium sur YouTube. Vous avez le lien dans la description afin d'avoir accès à du contenu exclusif par des vidéos exclusives, des tours exclusifs, également des posts et des emojis et la possibilité de participer tous les 15 du mois à un concours réservé aux membres. Bref, tous les liens sont dans la description. En tout cas, merci à tous d'être fidèles chaque semaine. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes futures vidéos. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.